La légende du cinéma français au plus mal. Depuis janvier 2022, la santé d'Alain Delon se détériore. Ce mardi 23 janvier, nos confrères du Parisien ont publié un article révélant que l'acteur n'est aujourd'hui plus l'homme qu'il était, affaibli physiquement et psychologiquement, il aurait notamment perdu de sa lucidité. Au cours des dernières années, Alain Delon aurait été soumis à diverses évaluations afin d'établir son niveau de discernement, à la suite d'une plainte pour abus de faiblesse déposée par ses enfants à l'encontre d'Hiromi Rollin. Selon Le Parisien, les résultats indiqueraient que l'acteur aurait connu quatre phases de son état de santé avec une lucidité de plus en plus dégradée. Si tout allait presque pour le mieux jusque le 2020, l'année 2021 a marqué un tournant dramatique. Entre septembre 2021 et juin 2023, les médecins auraient constaté une altération significative de son discernement lié à un ralentissement de la pensée et aux difficultés à résoudre ses problèmes familiaux, et enfin, en juillet 2023, une abolition totale de son discernement. Lors de cet ultime examen, le médecin aurait écrit dans son rapport que le moral de l'acteur était faible et qu'il ne semble plus rien attendre de la vie. Selon nos confrères, Alain Delon aurait d'ailleurs déclaré à son praticien qu'il voulait mourir et que la vie était finie. Crédit Photo, Agence.